Ceci est un hôtel pour insectes. Ici vivent des abeilles, des guêpes, des chrysopes et des coccinelles. Des insectes bénins qui pollinisent les cultures et évitent les fléaux. Casas de madera, ¿no? Donde tienen diferentes habitaciones. Hicimos habitaciones separadas y cada habitación pues tiene los componentes que le gusta al insecto. Por ejemplo, cañas de bambú agujereadas o le ponemos ladrillo agujereado. Es un sitio donde ellos pueden reproducirse o pueden estar ahí tranquilamente. Et ainsi, ils invitent les abeilles qui font augmenter la production parce qu'elles pollinisent. Et les coccinelles et les chrysopes qui combattent le puceron de l'amandier et les mites de l'olivier sans avoir besoin de produits chimiques. Sur les 122 hectares de Cortijo el Puerto, une propriété située à Lora del Rio, il y a 14 hôtels pour insectes. Ici, tout est pensé pour fomenter la biodiversité et garantir une culture 100% écologique. Y ahora vamos a darle néctar, vamos a darle polen, vamos a darle lo que ellos les gusta comer. Pour cela, ils ont semé différentes espèces végétales de floraison échelonnées sur toute l'année qui alimentent et enrichissent le sol. En été, de la lavande et du tournesol. Non seulement cela, ces manteaux de paille conservent l'humidité et réduisent le besoin d'arrosage. Pour Enrique, ingénieur en aéronautique qui se consacre à l'agriculture depuis 2013, l'écologique est une question de principe et aussi d'efficacité. El futuro es este tipo de agricultura, es decir, una agricultura multicultivo con mucha biodiversidad, que se trabaje para equilibrar los sistemas y una vez que los sistemas estén equilibrados, ellos mismos vayan funcionando. Des insectes heureux dans leur habitat pour obtenir des cultures sans produits chimiques.